Bonjour aux futurs élèves de la 9e année de l'école Mathieu Martin. Dans cette vidéo, on va vous montrer un peu comment faire vos choix de cours pour l'an prochain. Première chose à savoir, c'est qu'on a un nouveau régime pédagogique à l'école Mathieu Martin, donc il y a eu quelques petits changements. Fait que voici à quoi votre horaire va ressembler l'an prochain. Premièrement, vous aurez un cours de mathématiques qui va durer toute l'année. Vous aurez aussi un cours de français qui va durer toute l'année. On a aussi un cours d'enjeux. Donc ce cours-là est nouveau de l'an dernier. Puis, dans le fond, là-dedans, vous allez travailler sur des enjeux de la vie réelle. Puis, en travers du cours, vous allez travailler à développer différentes compétences. On a aussi un nouveau cours qui s'appelle « Moi ». Donc, ce cours-là, dans le fond, vous allez travailler trois choses. Le mieux-être, la lettre M. Les objectifs de vie et de carrière, donc c'est pour ça qu'on a la lettre O. Et finalement, vous allez travailler tout ce qui est l'aspect interpersonnel. En plus de ce cours-là, vous aurez aussi un cours d'éducation physique qui sera semestriel et vous aurez deux cours au choix. Donc, c'est dans ces cours au choix-là, c'est là que ça va être important de remplir ce formulaire-là. Puis, dans les cours au choix, voici ce que vous avez comme option. Donc, premièrement, vous pouvez prendre soit deux cours du bloc A ou un cours du bloc A et un cours du bloc B. Dans le bloc A, c'est l'éducation artistique, donc on a le cours d'art et de musique. Dans le bloc B, ben là, on a différentes options. Donc, la première chose, on a dans le domaine professionnel, on a introduction au domaine des études professionnelles et techniques. Dans ce cours-là, c'est là que vous allez voir un petit peu de mécanique, charpente, électricité, etc. Donc, c'est vraiment pour avoir un avant-goût des cours de métier. Ensuite de ça, il y a aussi des choix en sciences. Vous pouvez prendre sciences exploratoires, où on voit différents domaines de la science. Ou vous pouvez aussi prendre introduction à la chimie et la physique. Ensuite de ça, on a les cours de sciences humaines. Dans les cours de sciences humaines, vous avez le choix de prendre un cours de géographie du Canada. Bon, une chose à comprendre ici, c'est que vous avez deux options. Prenez les cours qui vous intéressent. Donc, les cours que vous sentez, soit que vous êtes curieux ou vous pensez que vous allez peut-être apprendre des choses intéressantes là-dedans, des cours qui vous parlent. Parce que dans le fond, l'idée, c'est que vous aurez d'autres options en 10e année, en 11e et en 12e. Donc, si jamais il y a un cours que vous n'avez pas eu la chance de prendre puis que vous êtes curieux, bien, vous pourrez le prendre plus tard. Ça fait qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. L'autre chose aussi que je peux vous mentionner, c'est que les membres de la direction de l'école Mathieu Martin vont aller vous visiter dans vos écoles dans les prochaines semaines. Ça fait que si vous avez des questions, ils seront là pour répondre ou pour vous aider au moins avec ça. Peut-être un dernier, en terminant, un dernier petit détail. Si jamais vous êtes intéressé à faire partie du baccalauréat international, on vous demande de quand même faire vos choix de cours. Puis, ce qui arrive, c'est que si vous êtes retenu à faire partie du BI, ben là, votre horaire va changer en conséquence. Donc, vous devez quand même faire vos choix de cours, même si vous avez l'intention d'appliquer pour le bac international. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Puis, on a hâte de vous voir l'an prochain, Mathieu Martin.